Moi, je n'achèterai pas sur AliExpress, déjà parce que bah, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, je ne sais pas où est-ce que je dois appeler si je ne le reçois pas, je ne sais pas si je le reçois troué, où est-ce que je vais appeler, etc. Je préfère payer 10 euros de plus, mais commander sur un site qui est en France. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Alors Magali, donc je vous ai un peu suivi sur les réseaux, j'ai un peu regardé ce que vous faites. Donc vous mettez en relation des influenceurs avec des marques donc, qui payent pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu pas mal de polémiques autour de ce concept, de ce nouveau métier finalement. On a notamment beaucoup accusé ces fameux influenceurs de faire du dropshipping. Alors je vais replacer un petit peu ce que c'est le concept du dropshipping pour ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas. Donc c'est le fait de créer un site en ligne d'une marque avec un nom de marque qui joue l'intermédiaire avec un autre site marchand. C'est en fait créer un espace de vente sans stock où chaque achat réalisé sur le site en question est en fait commandé à un fournisseur des produits dropshipping en question qui vend les articles à la base minimum 5 fois moins cher. Alors l'avantage pour les vendeurs, ça serait pas de stock à gérer. Moi, je suis hyper naïve avec ça. Hein. J'ai regardé un petit peu les avantages et les inconvénients. Et le deuxième avantage, une marge très conséquente sur les produits vendus. Alors, en tant que consommatrice, j'ai fait une petite enquête pour me dire, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et donc, je suis allée chercher certains produits qui sont mis en avant par les influenceurs que vous représentez sur les sites internet en question. Alors, par exemple, j'ai trouvé les fameux leggings anti-cellulite vendus par Victoria et Maëva des Marseillais sur Instagram. Voilà, donc c'est des leggings vendus entre 15 et 25 euros l'unité via cette influenceuse. Les leggings sont vendus avec les fesses ou pas? Parce que... Voilà, les leggings voilà, anti-cellulite. Et donc, en fait, Magali aussi fait la promo pour elle. Non, mais alors moi, j'étais vraiment... Je suis très neutre par rapport à ça. Je suis très neutre, j'ai envie de savoir. Voilà, parce que moi, j'ai jamais acheté finalement via influenceur, donc je me suis dit je vais voir un petit peu comment, si c'est vrai ou pas quoi, et je vous laisserai du coup répondre à ça. Et donc ces leggings en question sont vendus 4 euros sur le site Wish. Après, donc j'ai continué un petit peu, j'ai voulu tester différents produits. La fameuse tondeuse vendue par Thomas Vergara, que j'ai trouvée sur Wish, alors j'ai fait de longues recherches, hein, je passais du temps sur ce site, vendue à 22 euros, et évidemment beaucoup plus cher via Thomas. Et enfin, alors ça c'est mes préférés, parce que j'adore le concept, les fameuses bougies d'oreilles qui enlèvent le cérumen. Alors ça c'est incroyable, et là, ce truc-là. Donc j'ai cherché et cherché, et je les ai vues sur Wish, 20 euros les 100, alors que par exemple, une influenceuse comme Alix, alors je ne sais pas si vous la représentez ou pas, les vend 20 euros les 8. Alors je me suis posé la question, est-ce que finalement ce sont les mêmes produits, parce que ça ressemble quand même beaucoup, et alors c'est légal, hein, je précise qu'en France c'est un concept légal, on n'est pas du tout dans l'illégalité, mais alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur cette polémique. C'est quoi la polémique? Alors, la différence de prix. Alors, je vous explique très simplement. Aujourd'hui, une société qui est en France, d'accord, qui vend des leggings. Sur Wish, vous êtes basé, je crois, en Chine, je crois, ou comme AliExpress, en Chine. Ok. Forcément, quand vous allez commander, moi je suis consommatrice, je vais acheter un legging, je ne l'achèterai pas sur AliExpress. Même s'il me coûte 4 euros et que je le paye 15 euros sur un. Moi j'ai fait de la promo pour ces leggings-là, ils coûtent avec le code promo, je crois que ça revient à 10 ou 15 euros. Donc c'est pas pourquoi non plus. Entre, pas selon sur les sites, je vais t'expliquer. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas non plus. C'est 3 fois plus, mais c'est 5 euros, donc c'est pas non plus 500 euros. Voilà, bon. Pourquoi je ne les achèterai pas sur AliExpress? Parce qu'AliExpress, déjà, j'ai pas de contact. Ensuite, AliExpress, des fois, tu tapes, ok, il n'y a pas de service client. Ensuite, tu tapes 4 euros, très bien, mais va jusqu'au bout de la commande. Parce qu'après, tu rajoutes les taxes, tu rajoutes les frais de livraison de Chine. Donc finalement, et des fois même, c'est carrément à partir de 10 pièces ou 15 pièces. Tu sais, c'est des grossistes aussi, AliExpress. Donc, quand vous allez au bout de la commande, quelque part, vous gagnez 5 euros. Je trouve qu'un temps de livraison énorme. Ouais, ouais. Moi, je n'achèterai pas sur AliExpress, déjà parce que... Bah, je sais pas quand est-ce que je vais recevoir, je sais pas où est-ce que je dois appeler si je le reçois pas, je sais pas si je le reçois troué, où est-ce que je vais appeler, etc. Je préfère payer 10 euros de plus, mais commander sur un site qui est en France. Et en plus de ça, le gars qui est en France, qui monte une société en France pour vendre ses leggings, bah, il est pas en Chine. Donc il a des taxes, il a de la TVA à payer, il a des charges à payer qui sont pas les mêmes que dans les autres pays, et il faut aussi en prendre compte. Donc voilà, et il paye une communication aussi avec des influenceurs ou avec de la promotion ailleurs à gauche à droite, alors que AliExpress ne fait pas de promotion. Donc il y a tout un tas de charges aussi qu'on peut pas qui est logique en fait, et qui s'explique aussi dans la différence de prix. Maintenant AliExpress ou Wish, c'est le grossiste mondial, c'est à dire qu'aujourd'hui c'est juste qu'il est sur internet maintenant, avant il n'était pas sur internet. Donc maintenant on voit ce qu'ils vendent en Chine, et ils vendent le monde entier.
Il y a tout. En fait, même ta tasse, si tu veux, je peux la trouver sur AliExpress. Pour, avec mon logo, tu la trouveras jamais. pour 1 centime, 10 centimes, alors que ben, chez But, tu vas la payer 5 euros. Ben, c'est du x5, du x50, du x100, etc. Mais c'est le commerce mondial qui est d'accord. Comme ça. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont les mêmes produits? Ah mais il y en a, c'est les mêmes produits, bien sûr. D'accord. Donc tu comprends aussi que le consommateur lambda qui va pas forcément faire toutes les recherches et qui ne va pas avoir toutes les données que tu nous donnes, soit un peu choqué. Je pense que sur Internet, ils exposent suffisamment parce que des fois même, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont fausses et on va dénoncer des fois des marques. Moi, je vais t'expliquer, j'ai des petits commerçants, des e-commerçants qui sont des auto-entrepreneurs qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui montent leur petit site Internet, qui font du dropshipping parce qu'ils n'ont pas de stock effectivement à acheter. Ça leur permet de payer leurs études. Mais quand le gars il vient me voir et qu'il m'explique son projet et que ben, moi ça me dérange pas qu'il fasse du dropshipping, moi on n'oblige personne à acheter. Moi personnellement, en tant que consommatrice, je n'achèterai pas sur AliExpress, j'achèterai sur un site. Vous, si vous achetez sur AliExpress et pas sur un site, vous en avez le droit aussi et vous êtes grande, majeure et vaccinée. Chacun fait ce qu'il veut. Les adolescents, quand on nous accuse de dire mais vous vendez à des ados, mais moi ma fille est une ado, elle n'a pas de carte bleue. Je suis sa maman. Le seul contrôleur d'un ado, c'est ses parents. C'est pas Magali Berda qui a une agence de communication. Donc à un moment donné, il faut aussi remettre un petit peu les choses en place et se dire que bah, c'est du commerce, ça fait vivre la France aussi. Enfin, alors pas nous, on fait pas vivre la France, hein, mais le commerce aujourd'hui, c'est... Et heureusement qu'il y a le e-commerce, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, combien de gens, moi, j'ai eu qui m'ont appelé pendant le début du confinement, au corona, en me disant, bah, je ferme mes boutiques, je monte en e-commerce en une semaine. Vous pouvez faire de la pub parce que c'est le seul moyen que j'ai de survivre et de payer mes salaires. Et justement, pendant le confinement, il y a eu un problème, notamment de livraison sur certains produits. Oui, il y a eu du retard. D'accord. Mais donc finalement, ça sous-entend que même si il y a un intermédiaire sur les sites français, ils vont être forcément confrontés à des problèmes de livraison. Non, mais là c'est parce qu'il y avait un confinement. C'est des conditions un peu particulières. Même Amazon partout, avait un problème de livraison. Donc oui, on les recevoir Chine, en deux jours, ils l'ont reçu des fois en 15 jours, mais ils ont reçu leurs produits. Mais des fois les gens, vous savez, sur les réseaux, le problème c'est que les réseaux c'est un tribunal. Une justice soi-même, bien sûr. Voilà, donc il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a des choses vraies, des choses fausses, et c'est normal, il faut juste avoir les deux. Donc finalement, commander sur un site créé par des Français, ça garantirait un meilleur suivi. Ben, ça garantit un meilleur suivi, une sécurité, et c'est moi, dans ma tête, je préfère commander sur un site français. Et je préfère faire travailler une personne qui ouvre une société en France que AliExpress en Chine. Ouais. Je suis désolée, après chacun voit ce qu'il veut. Je préfère payer 10 euros de plus et d'avoir un produit. Oui, même mais... s'il vient de Chine, parce qu'encore une fois, tout ce que vous avez, même sur moi, j'ai de la marque, et les téléphones, ça vient de Chine. Donc, et pourtant, j'ai de la marque, mais ça, personne... Vous savez, le plus gros, aujourd'hui, je sais pas si ça se dit margeur, la personne qui fait le plus de marge aujourd'hui, c'est l'industrie du luxe. C'est le secteur qui bien fait sûr, le plus de marge. Quand Fendi, là, ils font du 50 de marge, ça pose de problème à personne. Quand des influenceurs, ils posent pour une bougie ou pour un legging qu'on trouve à 5 euros, à 15 euros au lieu de 5, alors là, c'est une révolution sur le web. Il y a un décalage. Peut-être parce que ce n'est pas dit, là vous nous le dites, si, mais c'est peut-être dit, que c'est pas dit expressément, si. Et c'est peut-être pour ça que les gens se sentent forcément un peu lésés. Tout ce qu'on fait, nous, alors attention, on peut pas commencer, et ça, faut être aussi cohérent, faut être aussi logique, on va pas commencer une promo dans legging en disant, alors les amis, vous avez trouvé mon legging, le même sur Wish à 5 euros, mais moi je vous le vendis. Ah oui, tu peux pas, c'est pas possible. Faut être aussi raisonnable. Et en même temps, c'est pas Magali Berda qui va changer aussi le marché mondial du truc. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, parce qu'on n'est pas tous des consommateurs avertis. Et puis il faut donner au principal intéressé la possibilité de répondre. Exactement. Bien sûr.